Oui, salut, salut la famille. Comme vous le savez, voilà, c'est Franck Cass le promoteur. Je suis là juste encore pour vous inviter, pour vous dire de rester connecté. Ce qui arrive au Burkina cette année, c'est tellement incroyable. Voilà, Dezoula, c'est l'album de Flobi qui est en ligne, qui est en train de bombarder partout dans le monde entier. Voilà, l'un aussi des génies de la musique burkinabé africaine, l'un des stars. L'artiste, quand il chante en français, tu vas dire c'est un français. L'artiste, quand il chante en anglais, tu vas dire c'est voilà, il est né en Angleterre. L'artiste, quand il chante en morée, tu vas dire c'est un Mossi. L'artiste que beaucoup de personnes ne connaissent pas son ethnie, car il a un talent incroyable. Quand il prend le pull, il chante en pull, on dirait le pull. Cet artiste comprend au minimum plus de 27 langues. Cet artiste comprend au minimum plus de 27 langues comme ça qu'il comprend. Or, quand il prend ses 27 langues pour chanter, vous allez lui donner toutes les ethnies. Voilà. Mais vous ne pouvez pas savoir cet artiste est qui, il est qui, il est qui. Peut-être c'est grâce à son nom que vous allez savoir que cet artiste, c'est un Bissa. Sinon, il a un talent incroyable. Et quand il ouvre sa bouche pour chanter, forcément, même si tu n'aimes pas la musique, tu vas écouter. Même si tu n'aimes pas danser, tu vas danser. Donc, ce Tatis a annoncé hier sur toutes ses différentes plateformes, voilà, des réseaux sociaux, qu'il revient actuellement, qu'il revient bientôt avec un album. Et cet album sera Acte 3, un album de renaissance. Ça veut dire il va renaître avec la musique. Il va envoyer de nouveau que personne n'a jamais vu et que ça sera. Ah, j'ai perdu mes mots, mais vous comprenez déjà. Donc, je vous invite de rester connecté et de partager cet avis partout dans le monde pour que les gens puissent savoir que cet artiste revient bientôt avec un album de la Renaissance. Un album de la Renaissance. Et puis, il y a un numéro aussi au-dessus. Si vous pouvez, si vous voulez, voilà, contacter l'artiste pour plus d'infos aussi. Le numéro qui est sur l'affiche, la contacter, ça là, vous allez, voilà, le rejoindre. OK? Mais cet artiste a un talent incroyable que je vous invite actuellement de rester connecté et aller vous abonner sur ces différentes chaînes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tout. Il s'appelle Lighty Light. Il revient avec un album qui s'appelle La Renaissance. Ok? Et si vous voyez, c'est voilà, vous voyez le logo. Logo, voilà, ça, elle là, c'est l'ambassadrice du Waraba du Faso, l'ambassadrice, la reine de la musique burkinabé. Elle a porté le polo Franck Cass, le promoteur. Vous voyez le logo là-bas, voilà. Et puis il y a plein d'artistes qui ont porté ça, et je le remercie matin, midi, soir. Et puis c'est l'un des génies même de la musique burkinabé qui ont porté. Est-ce que vous voyez? Voilà, Lova Belle, voilà, il y a les Ali Vérité. Voilà, il y a les Ismo Vitalo, il y a les Esprit Fort, le Donsa, les Soufiane Souré, les Saintes Lubines, et il y a plein d'artistes qui ont porté. Donc, je ne fais que les remercier, je leur dis que je suis derrière et godo godo pour la vie. Vous voyez, ça c'est les Ismo Vitalo. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous demande pardon, restez connectés. L'album de Late Late arrive. L'album de Lighty Life arrive. Restez connectés, vous ne serez pas, voilà, vous n'allez jamais regretter. Vous voyez l'un des fondateurs de la musique burkinabé, Ali Vérité, avec son fils Sofiane Souré. Vous voyez le polo, comment le polo est joli, Franck Cass le promoteur. Inch'Allah, on va y arriver, ne vous inquiétez même pas, non. Regarde, c'est un rêve pour moi qu'Ali Vérité m'importe.